parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains. Les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, mesdames et messieurs, et sur Espace TV. Nous sommes ensemble jusqu'au port de midi, vous aider à mieux comprendre l'actualité. On a dit une semaine décisive pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous rejoignez sur nos antennes locales à Bokeh. Vous nous écoutez là sur 99.7, même fréquence du côté de Kindia, 99.7 également. Zali écoute Radio Espace sur Espace Forêt. Merci à vous tous à l'international, sur la média, du diffusez cette émission sur les réseaux sociaux. Vous nous regardez sur Facebook, mais aussi sur Twitter. Merci à vous tous à l'international. Ceci dit, en plusieurs mots, s'offre à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, le hashtag espace GG, sinon le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages. Une grande gueule très spéciale, on va dire grande gueule de sport, vous allez comprendre évidemment, avec nos invités ce matin, mesdames et messieurs, à la recherche d'une solution à la crise qui mine la Fédération guinéenne de football. Les émissaires de la CAF et de la FIFA ont séjourné donc récemment à Conakry. Ils ont pu rencontrer tous les acteurs, les problèmes et comprendre évidemment avec les problèmes et les points donc de vue ont été exprimés par les principaux acteurs et protagonistes. Et parmi donc les personnalités clés, nous avons le vice-président Amadou Diaby, lui qui avait donc déjà pris ses distances avec tous les problèmes de la fédération pour s'installer donc à Kinshasa, a dû rentrer pour être aussi entendu. En attendant donc les conclusions de cette mission, les mêmes questions qui ont prévalu donc au lendemain du retrait de la candidature d'Antonio Soare demeurent. À quand le congrès? C'est la question que nous nous posons ce matin. Et l'autre question est avec quel candidat justement? Amadou Diaby, vice-président de la Fédération guinéenne de football, répond aux questions des GG ce matin sur Radio Espace Guinée. Pendant ce temps, l'Association internationale de la presse sportive s'apprête donc à célébrer ses 97 ans. C'est le 3 juillet 1924, en effet, que les associations nationales de journalistes sportifs ont décidé de s'unir. L'AIPS donc est connue et occupe donc une place importante en Guinée grâce à son vice-président de la section Afrique. Et c'est Amadou Diaby Diallo, donc sorti de prison le 19 mai dernier. Dans ses ennuis judiciaires, cette association donc lui a été d'un grand soutien de cette période difficile dans sa vie personnelle. Et des 97 ans donc de l'AIPS, nous en parlons ce matin avec notre confrère Amadou Diaby Diallo. Nous rejoindra évidemment un peu plus tard dans cette émission Les GG sur Radio Espace avec cette équipe dynamique. Merci de nous rejoindre. Bonjour Jacques Liwalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Tamba Zakari Milimono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Oui, avec cette voix. Oui, il est là également, mon cher Moussa Moïse, là, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Toujours original, évidemment. Allez, Daouda Mohamed Camara est là, bonjour Daouda. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mais dans l'horoscope, Lamine dit ce matin que les lions, on peut tout tenter. Oui. Donc j'ai envie de tenter quelque chose, de gifler quelqu'un ce matin. Mais vas-y, on va te gifler. Il faut gifler toi. Attention, mais cette histoire est là. Allez-y, pendant qu'on y est. Non, j'ai une proposition à lui faire. Parce qu'on est nombreux, mais Antoine t'a présenté la joue gauche. Voilà. Ça peut bien aller. Je crois que je vais tenter tout à l'heure. Par rapport à une belle gifle, merci. Je vais lui indiquer juste un endroit. Oui. Tout droit, au cœur de Kaloum. Ouais. Là où il y a, à côté de la banque centrale, il y a un domicile juste en face. Il saute la barrière. Il y a quelqu'un là-bas, je pense, qui pourrait le recevoir. Bien. Je ne savais pas qu'un neveu pouvait détester autant son oncle. Mon frère. Tu t'es mis dans la merde tout seul. Comme je t'aide, mon oncle. Voilà, je cherche prédiction. Allez, Antoine Kourouma est avec nous, évidemment. Monsieur Propre, bonjour Antoine. Bonjour Lamine. Merci de l'admettre. Bien. Merci. De l'admettre. Ben voilà. Bonjour. Écoutez, tout va bien. Bien, tout va bien. Madame Hiro est avec nous également. Madame Hiro, bonjour. Voilà, deux micros, deux bonjour. Micros. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Deux micros pour moi, toute seule. Ben ouais. C'est ça. Semaine décisive, évidemment. On s'intéresse à l'actualité, évidemment. Militaire en détention provisoire depuis 10 ans. Ton épouse, vous dites ce matin, brise le silence, mon cher Jacques Léo Aleno. Oui, c'est une affaire qui remonte à 2000,
10. Oui. Il y a un militaire, on l'appelle le capitaine Marcel Guilavogui. Mm-hmm. Dans un premier temps, selon ce que nous apprenons, il avait été accusé dans l'affaire dite attaque contre le capitaine Dadis. Mm-hmm. Après, on a réqualifié les charges pour parler désormais de l'affaire du 28 septembre. Mm-hmm. Et puis, finalement, on a dit que ça n'avait rien à voir, selon en tout cas les informations de son épouse, qui est quand même là et qui a voulu briser le silence ce matin. Mmh. On a parlé, je crois, de non-respect, je ne sais pas quoi, de la hiérarchie. Donc finalement, on est parti de requalification des charges en requalification. Le problème, c'est que ça fait 10 ans qu'il est en détention provisoire et on ne sait pas pourquoi. Mmh. Ben, écoutez, c'est la question fondamentale. Voilà, moi, ça ne m'étonne pas. Allez-y, mon cher Moussa. Il faut dire que Marcel, son nom avait beaucoup circulé pour ceux qui ont suivi un peu l'épisode de l'attentat contre le capitaine Moussa Dadis Camara. Mm. Il y avait une sorte de rafle, vous savez, tous les proches de Toumba Diakité ont été arrêtés. Pourtant, Marcel occupait à l'époque une fonction officielle. Mm-hmm. Il était dans les rangs de Toumba Diakité en tant que second, je pense. Et le jour de l'attentat, selon les informations recueillies notamment auprès de sa famille, il se trouverait du côté du camp Alpha Yaya Diallo en train de jouer donc au football. Ce qui n'a pas empêché donc les autorités militaires de l'époque, lors donc de cette grande rafle, de l'arrêter, donc de l'emprisonner. Le général Sékouba Konaté aurait donné instruction au défunt Nou Thiam de le faire libérer, mais entre-temps, avec toutes les cacophonies que le pays a connues à l'époque, Nou Thiam n'a pas pu agir. Donc, jusqu'à ce jour, le capitaine Marcel Guilavogui est encore du côté de la maison, centrale. Non, du côté de Kindia, Kindia. Parce qu'il y a eu des va-et-vient entre Kindia et la maison centrale. Donc, du coup, les faits pour lesquels il est arrêté, ces faits ne sont pas connus. Sur la liste de ceux qui sont inculpés pour l'affaire du 28 septembre, il n'y figure pas. Son épouse nous l'a attesté. Sur le cas de l'attentat contre le capitaine Dadis, il n'y a absolument rien également contre lui. Oui. Et d'aucuns avaient même parlé de l'attaque du domicile, mais ça trouve que le monsieur était déjà en prison, l'attaque du domicile du président. Donc, au fait, à ce jour, on se demande pour quelle raison il est là. Mais puisqu'il s'agit d'un militaire, les autorités civiles, même si elles ont un certain pouvoir à agir dans un tel dossier, parce qu'un citoyen qui est emprisonné, il n'y a pas de charge retenue contre lui officiellement, je pense qu'il n'y a pas à se poser 1000 questions. Ouais. Donc sa femme souhaite briser le silence après toutes ces années pour interpeller le chef de l'État, parce qu'elle estime que la solution, le salut de son mari réside désormais, après toutes les démarches qu'elle a menées durant toutes ces années, que la seule issue, c'est Sékou Touré, c'est le président Alpha Condé. Voilà, comme d'habitude. On peut parler d'erreurs judiciaires ou pas du tout, mon cher Tamba? Non, erreurs judiciaires. Parce qu'on a oublié quand même la prison. On n'y est même pas encore. Ok. Les grands gars. Il n'a pas été jugé. Il n'a pas été jugé. Il n'y a pas eu de verdict qui le retienne dans les liens de la culpabilité. Ouais. Et donc, en fait, moi, j'ai envie de dire justice militaire, justice civile. Ouais. Il y a des éléments transversaux. Ouais. Il y a des éléments universels liés notamment à la liberté, aux droits humains qui doivent rester inviolables. Ouais. Ça, c'est une première chose. Je peux comprendre, dans le cadre des premières charges qui ont été retenues contre lui, liées à l'attentat notamment de Moussa Dadis Camara, liées à la question du 28 septembre, sur ces gros dossiers-là, les grands gars, qu'on est retenu de le mettre en détention provisoire. Parce que l'idée, ce serait de dire, si on lui dit, bon, écoute, pendant que le dossier suit son cours, tu rentres chez toi, tu continues tes activités, on peut se dire, il va certainement fuir. Mais on dit, bon, on va te détenir provisoirement. Okay. Le temps de pouvoir y voir plus clair et d'ouvrir le dossier, d'ouvrir la procédure formellement et pouvoir la poursuivre. Mais, Lamine, on parle quand même de 10 ans. Ouais. Pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Et ce qui est quand même révulsant, c'est de voir qu'on dit, c'est d'abord pour Dadis, ensuite on dit c'est pour le 28 septembre, et puis après pour la même personne, on va dire, bon, insubordination, lien avec la hiérarchie, il a été irrévérencieux, il a commis quelques forfaits et manquements vis-à-vis de sa hiérarchie, cela mérite-t-il que l'on le retienne en prison depuis 10 ans, depuis 10 ans s'il a des enfants?
il y a des choses qui se passent. Ouais. S'il a une femme, il y a des choses qui se passent. S'il y a de la famille, des projets, s'il a lui-même des perspectives personnelles au plan de sa carrière de militaire, qu'en est-il aujourd'hui ? Tout ça me conduit quand même à dire que le pouvoir politique tel qu'il est en train d'être conduit en Guinée, c'est peut-être pousser le bouchon plus loin, mais j'ai envie de dire que il se rend de plus en plus sale. Il se rend de plus en plus sale. On parle de ce dossier-là, mais combien d'autres sont en prison ? Enfin, dernièrement, on me parlait de cas de personnes qui sont en prison, pardon, à la maison centrale, qui n'ont pas été jugées pour avoir volé un téléphone depuis 6 ans. Après, on dit, bon, son dossier même est perdu. Ouais. On ne sait plus où est son dossier, il y est resté. Ouais. Les cas de détention que nous avons aujourd'hui, les messieurs sont en prison. Avant d'ouvrir le procès, 1 année, 2 années, 3 années s'écoulent. Mm. Ça, c'est commun. C'est commun dans notre chaîne judiciaire en Guinée. Moi, je dis, quand le pouvoir politique s'invite dans la chose judiciaire, ça se salit, ça perd de sa moralité. Et puis finalement, c'est à ce genre d'abus et d'excès que l'on assiste. Et toujours, moi, je pose la question quand même, qui va payer bien pour 10 années passées comme ça de sa vie, ouais, perdue, cloisonné, réclus quelque part dans une prison, comme si on avait été reconnu coupable. Voilà. Allez-y, mon cher Daouda Mohamed Camara. Des questions sans réponse, hein ? Oui, des questions sans réponse, mais je crois pour le cas spécifique du 28 septembre, je ne sais pas qui est aujourd'hui détenu pour ce cas. Parce que Toumba, ce n'est pas que le cas du 28 septembre, c'est sa tentative d'assassinat. Il est arrêté principalement pour ça. Pour ça. Il est principalement arrêté pour le 28 septembre. Mais après lui, les grandes gueules, tous les noms qui ont été cités, est-ce qu'ils sont détenus ? Ils sont pas en prison. Donc moi, j'écarte cette piste de 28 septembre sur ce monsieur Marcel. Mais en ce qui concerne l'attentat contre, Moussa l'a rappelé tout à l'heure, contre le domicile du président de la République, et il était déjà en prison. Et quand on dit qu'il n'était pas mêlé à cette tentative d'assassinat contre le président Moussa Dadis Camara, et qu'on est aujourd'hui en prison, ils sont nombreux, il n'est pas seul. Ils sont nombreux aujourd'hui. Et des plaintes qui nous parviennent, ils sont nombreux, des militaires qui sont détenus tout simplement par humeur de quelqu'un, d'une hiérarchie qui pense qu'il ne veut plus sentir tel ou tel à côté de lui ou dans la circulation. Il le met en prison. J'ai parlé dans un affaire avec une autre dame qui me disait également que son mari est accusé de tentative de coup d'état ou de ceci ou de cela. Et il est aujourd'hui en prison et ça fait des années. Et il ne voit pas sa famille. Sa femme a accouché, sa femme a accouché quand il partait, la femme était enceinte. La femme a accouché, lui il est en prison. Et qu'aujourd'hui, qu'il y ait beaucoup d'autres cas comme ça dans les prisons, je crois que le ministère de la Justice a aujourd'hui pour devoir ou obligation de chercher à nettoyer à l'intérieur les garnisons. Il y a des gens qui sont là, qui ne savent pas pourquoi ils sont là, ou même le département, ou même la garde pénitentiaire ne sait pas pourquoi ils sont détenus là. Il faut passer par un travail comme Gassama l'avait engagé à un moment donné, passer dans les prisons pour savoir quel est l'état de vie des prisonniers, qui est là, pourquoi. Je crois que ça peut permettre de savoir ou de libérer certaines personnes. Est-ce qu'il est là parce qu'il a volé un téléphone ? Est-ce qu'il est là parce qu'il a tenté un coup d'État ? Est-ce qu'il est là parce qu'il a voulu déstabiliser le pays, le pouvoir ou autre ? Tout cela ne peut se faire en restant à Conakry ou en restant dans le bureau pour dire que la justice marche bien. Il faut aujourd'hui penser à ces personnes qui sont détenues, parfois illégalement, qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Bien. Allez-y, Madame Yoro. Voilà, cette dame est avec nous, évidemment, dans ce studio. Je parlais d'erreur judiciaire, mais il n'y a pas eu de jugement. Hein. Voilà, il faut le rappeler. Il n'y a pas eu de jugement. Ouais. Il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être que ce monsieur, comme d'autres personnes, a été oublié de ce côté. Vous vous souvenez de ce reportage dont on parlait, ce jeune homme qui a été arrêté à 13 ans, évidemment, qui a passé 4 ans de sa vie pendant que sa maman se torturait. Elle s'est torturée juste à ce qu'elle perde la vie parce qu'elle se demandait comment vivait son enfant. Le dossier était perdu. Il a fallu qu'un avocat se mette à la tâche
pour rechercher le dossier, le retrouver, faire en sorte qu'il y ait procédure. Des cas comme ça, il y en a beaucoup, Lamine, chez nous. Je me rappelle être passé une fois, avoir eu la chance du temps de mettre Cheikh Sako à la maison centrale où j'ai pu échanger avec quelques personnes. Vous pouvez voir quelqu'un qui a commis un petit délit, oublié complètement, qui peut passer 7-8 ans jusqu'à 10 ans en prison justement parce que la personne a été oubliée. Si ce monsieur n'avait pas quelqu'un comme sa femme qui se tienne debout aujourd'hui, parce que certainement elle a dû frapper à plusieurs portes, elle n'a pas eu de solution, elle se dit, elle n'a pas pu accéder au chef de l'État, certainement elle espère qu'en passant chez nous aujourd'hui, le président certainement l'écoutera et posera des questions pour savoir pourquoi ce monsieur est détenu là, parce que c'est quand même incompréhensible qu'une personne, qu'on requalifie des faits une fois sans savoir qu'est-ce qu'il faut mettre sur la personne pour la détenir. Mais si vous avez requalifié, vous n'avez pas trouvé les éléments qu'il faut pour le maintenir, jugez-le au moins. Mais 10 années d'une vie passées en prison sans savoir pour quelle raison, je pense que c'est seulement en Guinée que cela peut arriver. Mais il faudrait que cette justice puisse quand même se réveiller, ne serait-ce que à travers toutes les dénonciations qui sont faites, parce que dans certains domaines, on voit qu'il y a quelques évolutions grâce aux dénonciations faites par la presse, parce qu'on se dit que les gens ici, il n'y a pas d'anticipation. C'est du pilotage à vue qui est fait sur le terrain, parce que sinon, quand vous avez des dossiers comme ça, allez-y étape par étape. Je pense qu'il y a le tribunal militaire normalement qui devrait s'occuper de ce genre de dossier, mais nous avons vu avec quelle lenteur les choses ont commencé de ce côté. En même temps, je pense qu'il faut revoir la situation, savoir pourquoi ce monsieur est détenu de ce côté, pour pouvoir enfin libérer sa famille, qui depuis 10 ans ne vit pas avec lui, mais ne sait pas de quoi, qu'est-ce qu'on lui reproche effectivement. Bien, madame est avec nous, Antoine, dans ce studio, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur Radio Espace. Bonjour. Voilà. Allez-y, Antoine. Oui, madame, bonjour. Ça fait 10 ans que vous avez perdu de vue votre mari. Dites-nous ce qui s'est passé, comment a-t-il été arrêté, qu'est-ce qu'on lui reproche? Mon mari a été arrêté depuis le 31 mars 2010. Il y a 11 ans presque de cela, au camp Alpha Yaya. Après, on lui est amené à la gendarmerie nationale PM3. Après 3 mois de cela, après 3 mois, on lui a ramené dans la maison centrale. 10 ans, il a fait 10 ans. L'année passée, le 20 mars, on lui a amené nuitamment, on lui a amené à Kindia. On les a attachés même. Et ramener à Kindia. Depuis là, même la visite, c'est pas facile. On a tapé à beaucoup de portes pour voir le président, mais on n'arrive pas à voir le président. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour plaider le président, lui pardonner. Il n'est pas jugé. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement? Pour la première fois, ils ont dit la tata de Dadis. C'est pour cela qu'on lui a arrêté. Il est resté en prison, on dit encore 28 septembre. Tout dernièrement, son dossier a été changé. On dit usurpation de titre. C'est ce qui est dans son dossier. Nous sommes là, c'est pas pour diffamer le président. Je suis là, c'est pas pour diffamer le président. Ouais. C'est pour le plaider, de le libérer. Ouais. Ses enfants ont besoin de lui. Ouais. Moi, sa femme, j'ai aussi besoin de mon mari. Ouais. Il était membre du CNDD? Oui, il était membre du CNDD. Proche de quel... Il était officier militaire à l'époque, Toumba, Dadis ou Sekouba? Il était l'adjoint de Toumba. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, après ce qui s'est passé, Toumba étant en prison, après ce qui s'est passé à l'époque au sujet du 28 septembre et même de l'attentat, est-ce que vous ne pensez pas que ces deux cas-là, on pourrait le lier à ça? Est-ce que le fait que Toumba soit mis au centre de toutes ces affaires, son adjoint n'est pas également indexé pour ces faits-là? Moi, tout ce que je connais dans l'affaire, pour le cas de l'attentat de Dadis, il était au terrain. Il n'était pas présent ce jour-là. Pour le 28 septembre aussi, il n'était pas. Ouais. Il est innocent. Le 28 septembre, l'a trouvé où? À la maison. À la maison. Oui. Alors, entre-temps, avez-vous pu accéder véritablement au dossier ou bien ce sont quelques responsables au niveau des prisons qui vous ont dit que dans son dossier a été requalifié? Nous-mêmes, on fait les vérifications. Vous avez un avocat? Oui, nous avons un avocat. Oui. Donc, et qu'est-ce que l'avocat vous dit? L'avocat nous dit qu'il a fait des démarches, mais ça n'aboutit pas. On a pris à peu près 3 avocats maintenant. Ouais.
Vous nous avez informé en off que l'instruction avait été donnée par le général Sekouba Konaté, parce que c'est à l'époque du général qu'il a été arrêté. Oui, oui. Donc le général aurait donné des instructions au défunt Nou Thiam de le libérer. Oui. Pourquoi ça n'a pas été fait? On ne sait pas. Mais lui, il a été arrêté en même temps que d'autres personnes. Oui. Ces personnes ont été libérées. Oui. Donc c'est quand même il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là. Parce que d'autres personnes, les personnes arrêtées en même temps que lui ont été libérées dans le même dossier. Oui. Mais lui, il est resté en prison. Oui. Est-ce que dans cette démarche, même le ministre de la Justice, par exemple, l'avait rencontré pour lui expliquer un peu la situation de votre mari? On n'a pas rencontré le ministre. Voilà. Bien, allez-y, Madame Hiro. Je veux savoir, à part le fait de faire des démarches avec les avocats, à quelle porte vous avez frappé? Parce que lui parle du ministre de la Justice. Avez-vous essayé de rencontrer d'autres autorités avant? Oui. Qui, par exemple? On a rencontré beaucoup des autorités militaires. Oui, oui. Ils disent qu'ils ne peuvent pas. Oui. Rien. Bien, alors le président vous regarde à la télévision à l'instant T. Si vous avez un message évidemment au président de la République, allez-y. Ce que je peux dire au président de la République, de nous aider. On n'a rien, nos biens, on a perdu tout. Les enfants sont à la maison. Je me débrouille juste pour faire les besoins des enfants. Au moins de nous aider, de libérer mon époux. Je suis par terre, ses enfants et moi. Ses cinq enfants et moi, on lui plaide, on lui pardonne de libérer mon époux ou bien de le juger. 11 ans en prison, c'est pas un jour. Je le plaide, je le demande pardon. Je suis par terre. Bien. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les GG ce matin. On espère en tout cas que ça portera gain de cause évidemment et surtout que vous allez retrouver votre mari. Mais vous avez la situation, il est toujours à Kindia ou c'est à Conakry? Il est à Kindia, mais il est malade actuellement. Il souffre de quoi, votre mari? Parfois, quand je vais lui rendre visite, il dit à chaque soir, il a le palu. Ouais. Il n'y a pas l'entretien. Il n'y a même pas de docteur là-bas. Ouais. Bien. Merci beaucoup, madame, en tout cas, d'être passée chez les GG. Hein, voilà. Les GG continuent sur Radio Espace. 24 heures sur 24, au cœur de la Guinée profonde. Radio Espace. Radio Espace. C'est la Guinée. Tous les matins sur Espace TV, merci à vous qui nous rejoignez évidemment sur cette antenne, mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. À la recherche d'une solution à la crise qui mine la Fédération Guinéenne de Football, les émissaires donc de la CAF et de la FIFA ont séjourné récemment donc à Conakry. Ils ont pu rencontrer tous les acteurs, les problèmes et les points de vue ont été exprimés par les principaux acteurs et protagonistes. Et parmi donc les personnalités clés, nous avons donc le vice-président Amadou Diaby, lui qui avait donc déjà pris ses distances d'avec tous les problèmes de la fédération pour s'installer donc à Kinshasa, a dû rentrer donc pour être aussi attendu. Et bien, en attendant donc les conclusions de cette mission, les mêmes questions ont donc prévalu donc au lendemain du retrait de la candidature d'Antonio Soare demeurant. Et bien, à quand le congrès? On pose cette question ce matin chez les GG. Et avec quel candidat? Amadou Diaby, vice-président de la Fédération Guinéenne de Football, répond ce matin aux questions des GG sur Radio Espace Guinée. Pendant ce temps, l'Association internationale de la presse sportive s'apprête à célébrer donc ses 97 ans. C'est le 3 juillet 1924 en effet que les associations nationales des journalistes sportifs ont décidé de s'unir. L'APS donc est connue et occupe une place importante en Guinée grâce à son vice-président de la section Afrique, et c'est bien sûr monsieur Amadou Diouldé Diallo, sorti donc de prison le 19 avril dernier dans ses ennuis judiciaire. Cette association lui a été d'un grand soutien. Le 10 matin, Jacques Léo-Aleno, de cette période difficile dans sa vie professionnelle et des 97 ans de l'APS. Nous en parlons ce matin évidemment avec notre confrère. Il sera un peu plus tard dans cette émission. On s'intéresse à cet autre titre d'actualité, mon cher Moussa. Le parquet requiert donc la relax en faveur d'Ismaël Condé. Oui, lorsque l'empereur de la poursuite, le procureur en l'occurrence, dit qu'il n'y a pas de preuves pour poursuivre Ismaël Condé après que ce dernier ait passé autant de temps en prison, je me dis que notre justice se porte assez bien d'ailleurs, et que ces mots viennent
de celui-là qui poursuit souvent, qui a la main lourde, qui demande au juge d'être, de ne pas être clément et autres, je trouve quand même qu'on a... C'est-à-dire que quand j'ai lu ça, je me suis senti très mal. Mmh. Très mal parce que lors d'une précédente émission ici, nous parlions justement du cas d'Ismaël Condé. On n'arrivait pas à trouver les raisons pour expliquer sa détention du côté de la maison centrale. C'est-à-dire que pour une affaire civile, où il n'est pas le seul cité, le maire est également, son nom est cité dans ce dossier, c'est Ismaël Condé qui a été pris et qui a été emprisonné. Pour un dossier politique qui ne tient pas du tout la route, on le prend, on le met dedans. Donc, il faut trouver des chefs d'accusation. Moi, je vous donne juste un petit exemple. Sur le cas des détenus qui sont à la maison centrale, je pense que souvent, ce que certains procureurs font, lorsqu'ils n'ont pas d'éléments, le juge d'instruction n'a pas trouvé d'éléments susceptibles de pouvoir le poursuivre, eh bien, ils font un raccourci très simple que nous autres, nous pouvons faire. Ils vont sur ta page Facebook. Ils vont là-bas, ils regardent ce que tu as pu écrire. Ils prennent donc ça, ils essaient d'amplifier, de trouver quelques articles qui vont avec, même si quelquefois ça ne colle pas, et on dit voilà, il est accusé de ceci et de cela. Je trouve que c'est assez grave. Maintenant que ça a été dit ainsi par le procureur, celui qui poursuit, l'empereur de la poursuite, je présume que le juge va pouvoir donc purement prononcer une sorte de relax en faveur d'Ismaël Condé, mais ça ne fait pas honneur à la justice. Ça ne fait pas honneur à la justice, et comme c'est. Et ce n'est pas seulement le cas d'Ismaël. Le cas d'Ismaël est symptomatique du cas de certains détenus en prison. C'est-à-dire que quand vous fouillez bien leur dossier, vous verrez que ça ne tient pas la route. C'est-à-dire qu'ils méritent tous d'être libérés. C'est de bonne guerre, de toute façon. Comme tu as dit, politique. Il y a Tata Kouri qui m'a envoyé des trucs là, de neuf. C'est extraordinaire. Je sais, mais vous savez, je vois une chose. À la maison centrale, il y a des prisonniers qui sont pris pour des faits avérés. Il y a d'autres qui sont des prisonniers personnels de quelques personnes. Pas seulement le chef de l'État, mais il y a des. Je vous parle de certains commis de l'État très fort dans ce pays, qui n'aiment pas votre tête et qui disent, vous allez finir à la maison centrale et qui vous font arrêter, qui vous mettent là. Il y a des prisonniers, vous partez vers eux, on vous dira, non, lui, il faut le laisser, c'est l'autre là qui nous l'a confié. C'est tel qui nous l'a confié. C'est l'autre là, c'est pour l'autre là, c'est pour le grand. Donc on le laisse tranquille. Il est le prisonnier de quelqu'un. Le jour où la famille ira le voir, je sais de quoi je parle. Le jour où la famille va former une délégation, ira voir la personne. Tu es un chat. Voilà. T'es partout, oui, toi. Non, mais les grands. Oui, oui. Ils vont tuer tous les chats de la République. Eh ben, écoutez, le jour pendant ce temps, où la famille ira le voir, cette personne frustrée et fâchée, avec beaucoup de salam alek, vous verrez, il va dire bon, maradien, il va passer. C'est un coup de fil. Ouah, Benny, je pense qu'il a compris la leçon. Des prisonniers comme ça, privés, qui sont là parce que quelques personnes sont frustrées. Merci. Le cas d'Ismaël Condé est révoltant, sincèrement. Merci beaucoup. Allez-y, mon cher Tamba. En fait, ce que nous sommes en train de vivre correspond au croisement de deux choses. D'un côté, vous avez une volonté politique malfaisante. C'est le côté gauche qui agit et qui rencontre une faiblesse humaine, une faiblesse de caractère de la plupart des hommes de droit dans ce pays. Parce que la volonté politique malfaisante voudrait taire toutes les voix discordantes. On ne veut pas entendre, on ne veut pas nous déranger dans ce que nous sommes en train de faire. On ne veut pas entendre quelqu'un qui dit « vous êtes en train de vous servir dans les caisses de l'État ». Vous gérez mal la chose publique, vous méprisez le peuple de Guinée. La volonté politique malfaisante ne veut pas entendre ça. Elle ne veut pas l'entendre parce qu'elle est faible. Elle ne veut pas l'entendre aussi parce que tout simplement, elle a des choses à se reprocher. Ouais. Cette volonté politique l'a fait donc tout pour que ce qu'elle est en train de faire ne soit pas entendu. Les grands gueules. Avec le cas des 200 milliards, tout le gouvernement se fend d'un communiqué pour apporter de la solidarité à quelque chose qui n'est pas totalement propre. Mmh. Au point où... Et depuis lors, la Guinée est bien classée dans la lutte contre la corruption. Mmh. Et ça, il faut le dire, on en parlait hier. On est moins corrompu qu'à l'heure. On est dans le top 10 des pays les plus corrompus du monde entier. Et on s'en accommode. Et on dit on gouverne autrement. Et on dit prospérité partagée. Dans le top 10, je dis bien top, j'aurais pas dit le top bas. Mais enfin, on a compris. Voilà. Bien. Mais il faut quand même le comprendre. Mais à cette allure, vaut mieux avoir le trophée. Donc, on est dans cette situation. Au point sur les 200 milliards où Damaro Dia, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et si vous êtes tous connivants de ce qui s'est passé, nous, on va pas avaliser cela.
Même si plus tard, je ne sais pas ce qui a été fait au niveau notamment de procédures de contrôle parlementaire que l'Assemblée nationale aurait pu mettre en branle, on ne sait pas où on en est. Donc, ça, c'est un premier volet. L'autre côté, il y a des juges, magistrats de la République qui touchent les salaires que vous savez, avec le plus bas qui a 8 millions de francs guinéens. Ça, c'est vraiment le plus jeune qui vient de commencer. Il a ça. Payé par les caisses par le contribuable guinéen qui est là, à qui on peut dire hey, va faire ça. Et puis il va. Il dit mais il n'y a pas assez de preuves contre lui. Non, il faut chercher. On va trouver. On a fait le droit pour ça. Pour créer des preuves, on sait faire ça. Bien. Et donc on commence à qualifier. Ce qui n'existe pas vient à exister. C'est comme un pouvoir créateur qu'ils ont finalement pour dire bon, ça là, bon, voici comment on va faire. C'est vraiment une sorte de. Ça, de ce n'est pas un cas propre à la Guinée. Il y a des erreurs judiciaires. Je suis désolé. De chez nous. Mais c'est ce que je dis justement maintenant. Non, judiciaire, c'est pas une erreur judiciaire. Trop vite en besoin, les gars. Moussa, s'il te plaît, t'as fini ton temps d'antenne. On ne parle pas. Voilà. Lamine, je veux terminer. Mais c'est ce que je dis. Allez-y. Je veux terminer. On ne parle pas d'erreurs judiciaires. Oui. On n'est pas en train de parler d'erreurs judiciaires. On est en train de décrire comment le système judiciaire est en train de fonctionner dans notre pays. Ça se fait en Côte d'Ivoire, c'est leur problème. On parle de chez nous. Bien. Donc, ils s'asseyent. Vraiment, quand je dis, c'est des forgerons. Des grandes gueules. On prend, on tape des choses, on tape et puis on lui donne la forme qu'on veut. On dit, bon, lui, il est coupable. Mais après, qu'est-ce qui se passe? On verse dans cette réification des hommes, leur chosification, leur déshumanisation. Vous prenez quelqu'un que vous mettez en prison pendant un an. Il y est mis, cloîtré. Il y est reclus, comme un paria. Il est pariarisé dans ce coin-là. Bien, il est banni de la société et de tout ce qu'il a pu faire. On le met à l'intérieur. Et puis après, il y a eu les grandes gueules. Il va venir dire, non, il n'y a rien contre lui. Bien. Un an plus tard, on va acclamer ça. Merci beaucoup. Non, allez-y, non, Jacques. Lamine, je mais te non, pose non, la question. Mais non, je ne réponds pas aux questions. Est-ce qu'on peut acclamer ce genre de choses? Non, pas du tout. Je dis encore une fois, il faut que la justice fasse son travail. Il faut au moins qu'elle fasse son travail. Allez-y, Jacques. Avant, on pouvait dire ils sont mal payés. Aujourd'hui, ils sont bien. Faites votre travail. Bien. C'est tout ce qu'on demande. Merci beaucoup, Tamba. Allez-y, Jacques. À la base, c'est quand même une affaire d'escroquerie. Et à l'époque, je crois, ça nous a trouvé pendant les vacances. Donc, c'était Espace Expression. On avait fouillé un peu le dossier. Le monsieur Kaba, qui est donc utilisé, je peux désormais le dire, par la justice, avait dit que Ismaël Condé avait pris de l'engagement au nom de la mairie pour, n'est-ce pas, faire travailler sa PME dans la commune de Matam. Il n'en était rien en réalité parce que une affaire civile. La mairie n'a servi que de garant dans le contrat parce que la PME a signé des contrats avec, n'est-ce pas, les opérateurs économiques de Madina. En tout cas, ceux qui sont à Matam, qui voudraient voir, n'est-ce pas, leurs endroits propres. Donc, puisqu'il n'y a pas eu paiement, évidemment, on s'en prend n'est-ce pas, aux autorités communales. Dans un premier temps, la justice avait commencé à bien faire parce qu'on avait au moins arrêté le maire Sako. Ensuite, Ismaël Condé, ils ont passé un petit temps du côté de la CMIS de Dixine. Et après, le lendemain, on les libère tous les deux. On revient, on reprend Ismaël Condé et on ne prend plus le maire. J'ai appris hier que c'est pour les deux, on requiert, n'est-ce pas, la relaxe tout pure et simple. Je me demande, est-ce que le maire Sako était poursuivi pour quelque chose? Bien. Il n'y avait rien contre lui parce que il n'était ni inquiété, il n'y avait même pas de contrôle judiciaire comme on le fait pour certains. Au moins, vous venez vous présenter pour savoir que vous êtes dans le pays et vous n'êtes pas en train de fuir. Bon, pour une affaire d'une centaine de millions et puis on met en prison un vice-maire pendant une année pour revenir après dire bon, il n'y a pas de preuves. Je comprends la colère de Tamba. Lui, il est tout le temps en colère. Avec Moussa, mais voilà quoi. Ça se comprend très bien. Et évidemment, dans les choix qui sont faits aujourd'hui, c'est là nous ne comprenons pas. Ces trois procureurs de Conakry. Bon, Sangaré qui est décédé, donc qui détenait l'affaire de Ismaël, Sidi Souleymane, et puis le procureur. On ne parlait pas de Dexine. Bien. Merci. De Mafanko, je vais dire. Voilà, celui de Kaloum. Après, ce sont des gens à qui on donne des instructions
derrière, le président de la République vient paraître très gentil parce que vous, vous avez poursuivi à sa place, en son nom, vous avez fait condamner en les son grandes nom, gueules. Et puis lui revient derrière pour dire merci, je vous beaucoup. Pardonne. Allez-y, Daouda Mohamed, Camara. Allez-y, Daouda. Tamba n'a pas envie d'acclamer, mais moi, je crois qu'il faut, pour cet acte, acclamer au moins, parce que c'est à ses risques et périls. C'est à ses risques et périls. Ouais. Allez-y. Allez-y. C'est à ses risques risque et périls qu'elle ait décidé ainsi ou qu'elle se soit prononcée ainsi en disant. Elle a fait son travail, elle est payée pour ça. Elle, je vais l'acclamer. Alors, ceux qui ne font pas leur travail. Mais pourquoi elle est mieux traitée alors qu'ils sont bien payés. Ils sont bien payés comme les autres. Et Moussa dit tout à l'heure, ne parlons pas de Dixine. Quand un père nourrit ses enfants, on a dit, bravo, tu as fait ce qui n'était pas de ton devoir. Ouais, mais il y a des pères irresponsables qui abandonnent la famille. Ça, c'est leur problème. Voilà, donc, le devoir d'un père, celui qui le fait, il faut l'acclamer, encourager que d'autres fassent comme elle. Moi, j'ai bien apprécié, quand j'ai lu l'article hier sur cette décision, ou en tout cas cette position de Mme Loli, Mme Loli Tinkiano, j'ai bien salué parce que j'ai trouvé que c'est un courage. Les autres procureurs sont, même si le président ne les appelle pas, même si un directeur ne les appelle pas, même si un ministre ne les appelle pas, tout simplement parce que l'affaire est liée au président de la République ou à un ministre ou à un directeur ou à une autre personnalité haut placée, tout de suite, ce n'est pas elle qui poursuivait, c'est Sangaré qui poursuivait. C'est Sangaré qui poursuivait, c'est vrai, mais c'est la réquisition, c'est elle qui l'a prononcée hier. Alors, donc, moi, je me dis, aujourd'hui, la requête, je vais dire. Donc, moi, je me dis aujourd'hui, il faut les encourager. Et qu'il y ait des personnes qui le fassent ainsi, il faut les acclamer pour voir que d'autres le fassent aussi. Parce qu'il y a des prisonniers privés, Moussa l'a dit. Est-ce qu'il faut continuer à rester, à se résigner, à regarder ce qui se passe, bon, dire qu'ils ne font pas bien leur travail, donc on les laisse faire comme ils le font. Lorsque quelqu'un prend le courage sur lui pour dire une certaine vérité, merci. Je crois qu'il faut l'encourager et espérons que cet appel soit entendu et que Ismaël Condé recouvre aujourd'hui sa liberté. Mais il ne faut pas oublier aussi que la réquisition qui a été faite ici, de l'autre côté, il y a le fait politique qui n'est pas prononcé encore. Merci beaucoup, Daouda Mohamed. Allez-y, Madame Hiro. Oui, Daouda dit, même si elle n'a pas été appelée, mais rien ne nous dit non plus qu'elle n'a pas été appelée. Tout ça est possible dans un pays où on demande forcément à des prisonniers de demander pardon avant d'être libérés, alors qu'ils sont normalement entre les mains de la justice. Normalement, c'est à la justice de décider de leur culpabilité ou pas. Lamine, dans notre pays, il y a des situations, vous parlez d'erreurs judiciaires, mais dans ce cas-ci, il n'y a pas d'erreur judiciaire. Vous avez vu ces derniers temps ce qui est en train de se passer. Vous avez vu des personnes qui ont été arrêtées, notamment quand on parle par exemple du jeune Fonike Menge. Hier, on a reçu son avocat ici comme invité du journal. C'est l'une des personnes qui tiennent encore le point, qui se disent, on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais beaucoup d'entre eux, de ses opposants, qu'ils soient politiques ou de la société civile, ont trouvé que finalement, le meilleur choix à faire, c'est de demander pardon pour pouvoir sortir. Je me dis qu'il n'y a pas d'erreur judiciaire. Comme une personne passe une année en détention par rapport à une affaire civile, justement, et qu'il se trouve que c'est un opposant, c'est quelqu'un qui était du camp présidentiel, qui s'est retrouvé du côté de l'opposition, qu'il passe un an, on va décider que oui, il est innocent. Mais que va-t-on faire de cette année de perdu? Que va-t-on faire? Est-ce qu'on va essayer d'indemniser la personne? Moi, c'est la question que je me pose. Lui et moi, il a la chance de sortir, même s'il ne décide pas de poursuivre l'État. Oui, il peut peut-être continuer sa vie, mais ceux qui sont morts, quand je pense à Roger Bamba, qui par exemple, a perdu la vie, après, est-ce qu'on va à supposer qu'il y ait eu un jugement et qu'on décide de dire que oui, il était innocent? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'on va lui restituer sa vie? Est-ce qu'on va indemniser sa famille? Moi, c'est toutes ces questions que je me pose. Un pays où un vendeur de chaussures ambulant s'est retrouvé en détention parce qu'il a dit à des agents, non, ne cassez pas cette baraque, c'est ici que nos enfants étudient. Ils se retrouvent en prison. Ils perdent la vie en prison, Lamine. Que va-t-on faire pour cette famille qui est aujourd'hui disloquée? Ce monsieur, sa famille s'est éparpillée. Son enfant était obligé de fuir, de quitter le pays parce qu'après son passage dans notre émission ici, il était menacé de partout. C'est ça la Guinée aussi, Lamine. Donc je me dis qu'il n'y a pas d'erreur judiciaire. Dans les autres pays, plus de 50 ans après, il peut y avoir un jugement. Quand on se rend compte qu'il y a eu erreur,
on peut essayer de rejuger, d'indemniser, de faire en sorte que, oui, la personne, c'est vrai, il y a des gens, par exemple, aux États-Unis qui perdent la vie dans les exécutions qu'on faisait dans le temps. Mais bien entendu, ça existe encore. Mais bien, on essaie de rétablir ces personnes dans leurs droits. Le problème de notre pays, c'est que les gens, c'est une violation de leurs droits. Et les gens eux-mêmes ne prennent pas conscience de la situation. Je pense qu'en pareille circonstance, à la place d'Ismaël Condé, je sors, je poursuis l'État pour m'avoir privé de ma liberté pendant une année. Bien. Pendant une année. Bien. Le message est passé. Oui, c'est le même tribunal. Mais il faut le faire. C'est le même tribunal. Il y a des tribunaux à l'international. Il faut le faire. Il faut prouver à cet État que les gens connaissent leurs droits. Même si on n'a pas les résultats escomptés. Mais il faut le faire. Antoine, allez-y, mon cher ami Antoine. Voilà, allez-y, Antoine. Ce qui arrive à Ismaël Condé m'amène à penser à comprendre pourquoi au sein du RPG Arc-en-Ciel personne n'ose lever le petit doigt pour contredire le manguet, le président Alpha Condé. On s'est tout le temps interrogé pourquoi jusque là il n'y a pas de potentiel candidat au perchoir du RPG. Pourquoi est-ce que jusque là il n'y a pas de jeunes qui aspirent à devenir président du RPG? On comprend mieux pourquoi, parce qu'il n'y a pas de démocratie au sein de ce parti politique. On fait croire qu'il y a une certaine liberté d'expression au sein du parti, mais c'est un cadre qui a dit à un moment donné, je suis contre le troisième mandat. Pour l'avoir dit et pour avoir changé de camp, on a sorti un vieux dossier qui dormait dans les tiroirs pour le poursuivre avec. Il a fait la prison une première fois, il a fait un mois de prison. Lorsqu'il est sorti, il a commencé à faire des photos. Il s'est affiché aux côtés des opposants. Après cela, on l'a remis en détention. Et depuis lors, il est à la maison centrale de Conakry. Je me dis, tout ce qui se passe, c'est purement politique. L'affaire civile, on la connaît. Le maire a été entendu, il a été privé de liberté pendant des jours. On l'a mis ensuite en liberté. Ismaël est en prison parce que tout simplement, il a à un moment donné changé de camp politique. Il a dit qu'il était opposé à un troisième mandat. Et par la suite, il a pris la décision d'aller rejoindre l'UFDG. C'est pourquoi il est en détention. Disons clairement les choses, c'est un prisonnier politique et il est là-bas pour le compte d'une personne tierce, comme l'a dit Moussa Moïse. Pour clore peut-être avec ce dossier-là, il faut rappeler qu'Ismaël Condé, tout de même, il a toute sa famille à l'étranger. Il est marié à deux épouses qui, depuis quelque temps, réclament leur mari. Mais si, il a des enfants qui le réclament. Il est depuis un an en détention, mais pour des raisons inutiles. La fois dernière, il a été contraint de s'asperger. Non, sa vie privée, quand même. Non, il est une personne publique. Pour ce cas-ci, il est important de rappeler ce qu'il est en train de vivre. Lamine. Il ne faut pas brûler le studio. Il a été contraint de s'asperger d'eau chaude. Il a mis de l'eau chaude sur son visage pour ne pas qu'on le transfère d'une cellule à une autre. Parce qu'il n'en peut plus de rester en prison. J'ai suivi cet épisode-là. On l'a envoyé à l'hôpital Ignace Dine où il a suivi les traitements. Après, on l'a retourné en prison. Si après tout ce temps-là, il y a un procureur ou une procureure nous apprend que Ismaël, il n'y a pas de charge véritable portée contre lui, mais je me dis que on est en train de se foutre des Guinéens. Mmh. On viole le droit des gens. Après, on vous dit, ce pourquoi tu es en prison depuis un an là. C'est vide, il n'y a rien. On te poursuit à tort. Mais sincèrement, je ne sais pas ce qui se passe, mais notre justice a perdu le nord. Bien. On est en train d'assister à des situations qu'on ne comprend pas. Après, quelques-uns nous disent qu'il faut féliciter des procureurs. Je n'ai pas besoin de féliciter un procureur. Bien. Je n'ai pas besoin de féliciter un procureur pour le travail qu'il a bas. On est là, il faut le dire directement. Je n'ai pas besoin de féliciter un procureur parce qu'il n'a fait que faire son travail. Non, on n'a pas à la féliciter, Jacques. Non, tu peux la féliciter. Pas du tout. Tu peux la féliciter, j'ai pas besoin. Tu ne fais rien. C'est une femme qui poursuivait. Non, c'est pas parce que c'est une femme. Jacques, c'est pas elle qui poursuivait. Jacques, elle a repris un dossier. Oui, elle a repris. Et elle a continué qu'il n'y avait rien dedans. Elle a continué de son prédécesseur. Non, on n'a pas à la féliciter. Elle a repris un dossier. Elle a estimé que c'était vide. Joséphine Loli Tengano. D'accord. Madame Joséphine Loli Tengano. Voilà. Allez. La forêt s'embrasse ce matin chez les GG. On revient à 10h. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée.